On est à fond dedans, on continue, allez. 21h14, ah, on est avec la femme de ménage, je sais plus comment elle s'appelle, et Alice et son père un peu bizarre sous alcool. Qui regarde du hockey sur glace et qui m'engueule parce que je passe devant la télé. Voilà Todd, avec Todd. Ah, il est en méga stress, on est d'accord. Mais si, lui, il est sympa. Il est sympa, Todd. Le dîner est prêt. C'est l'heure du dîner. Ouais, ouais, j'arrive. Ouais, j'arrive. Pour le dîner, j'arrive, t'inquiète pas. Apportez le repas. Et la fille, elle bouffe pas? Et la petite Alice? Non, si, ça s'appelle Alice. La fille, je sais plus. Tu manges ou pas? Allez, on va allumer la lumière. Ah, c'est mieux pour le repas. Bonjour, tu veux me parler, non? Tu me parles pas, il dessine. On va laisser dessiner tranquille. Apportez le repas. Je sais, c'est le pire. Mais moi, j'aime beaucoup. J'aime bien les gens qui sont méchants dans les jeux, donc... Il n'y avait plus grand-chose dans le frigo. J'ai fait ce que j'ai pu. Allez, on les sert. Tiens, de les pâtes à la carbonara. Non, à la bolognaise. Allez, prenez vos serviettes. Tiens, ta petite serviette, Alice. C'est drôle, la vie. Je perds mon boulot à cause des androïdes. Tiens, de l'eau. Je te donne de l'eau, Alice. J'ai besoin de quelqu'un pour entretenir cette foutue baraque. Qu'est-ce que je fais? Toi, t'as le droit de l'eau aussi, tiens. Je vais m'acheter un putain d'androïde. Mais t'inquiète, faut pas... La bonne blague. Faut pas le prendre comme ça, Todd. On va attendre de nouvelles instructions. C'est parti. Bien sûr, c'est tellement chouette, les androïdes. Mais ils font tout. Regarde, t'as fait à bouffer, sois content. Jamais ils fatiguent, jamais ils échouent, et jamais ils sont tristes. Il perd encore son discours. Ah, il a un discours de haine avec les androïdes. Tellement parfait qu'ils ont foutu ma vie en l'air. Mais prends pas comme ça, c'est parce que t'étais nul, c'est pour ça que t'as perdu ton repas. Qu'est-ce que tu regardes? C'est quoi ton problème, putain? Mais pourquoi tu parles comme ça à ta fille? C'est pas la vie dont t'es arrivé, hein? Tu crois peut-être que c'est facile. Mais parle pas comme ça à ta fille! Tu crois peut-être... Avec 9 ans! Que c'est de ma faute si on vit dans un trou pourri! Que c'est de ma faute si ta conne de mère a foutu le camp! Vu comment t'es, je comprends qu'elle ait quitté le camp. Tu dois arrêter la drogue, Todd! Ah bah! Des fois, tu me fais vraiment peur, Todd! Bah là, tu fais un peu peur aussi, là. Cette salope s'est barrée sans dire un mot. Cette sale traînée m'a largué pour un putain de gros. Mais Todd! Tout est ta faute! Papa, non! Tout est ta faute, putain! Oh! Mais tu frappes pas ta fille comme ça, connard! Ah ouais, là, je... Ouais, elle s'appelle Kara, c'est ça. Reviens ici! Reviens ici tout de suite! Mais... Qu'est-ce que... Tu fais pas ça à ta fille? Mais t'es complètement con! Tout est ça. Faut toujours que j'attende... Allez voir Alice. Je sais que c'est ta faute. Tu restes ici. Quoi? Bouge surtout pas. Mais tu me bouges encore plus que la dernière fois. En prison, on est d'accord. Ne pas bouger. Ah, ah. Bouton A. Ah, j'ai niqué le truc, c'est pas grave. Même si on me demande de pas bouger, je bouge. J'ai envie d'aller sauver cette petite. Je veux sauver cette petite Alice. Ouais, j'ai niqué le game. Protéger Alice. Ah bah. J'ai envie de la protéger, cette petite. Raisonner Todd. On peut pas raisonner Todd. On peut pas le raisonner. On va aller voir Alice. On va protéger Alice. On peut pas le raisonner. T'as fait quoi? Bah j'ai... Parce qu'on m'a demandé de ne pas bouger. Non, c'est pas la maison ici. C'est la chambre d'Alice. La chambre d'Alice, c'est celle à la fin. Parce qu'on m'a demandé de pas bouger. Et les androïdes sont faits... Je vais mettre en pause. Les androïdes sont faits pour... Bah pour faire des... Tu leur demandes un truc, ils le font. Donc là, il a demandé à l'androïde de pas bouger. Donc, son programme, c'était de pas bouger. Sauf que là, on peut dire que l'androïde a pris sur elle-même pour ne pas exécuter le programme.
On a vu le truc avec le flic là, avec Connor, le flic. Où il a dit, le mec Anderson a dit, tu restes dans la voiture. Sauf que son programme à lui, c'était de suivre Anderson et de ne pas rester dans la voiture. Et donc, eh ben, il a suivi son programme. Donc là, voilà, là j'ai enfreint les règles de Todd. Et donc, je suis devenu déviante, c'est ça. C'est ce que j'ai fait. Il arrive! Il va me faire du mal! Cours, enfuis-toi, ou il va te faire du mal, comme la dernière fois! On va s'enfuir avec Alix! Avec Alix, avec Alice! Enfuis-toi avec Alice, je m'en branle! On s'enfuit, on s'enfuit. Tu viens fenêtre. Avec moi! Allez, allez, allez! Papa est très fâché, Alice! Très fâché! Allez, on va se cacher dans une autre pièce. La QQQ. Merde. On va se cacher, on va se cacher, grave. Cache-toi, cache-toi, cache-toi. Mage, merde, mage, mage, mage. Tout ça est de sa faute. Tout ça, c'est sa putain de faute. Il nous a pas vu. Qu'est-ce que je dois faire? Oh putain. Oh le merde. Il nous a vu. Ouvrez la porte. Tu vas t'enfuir, nul mec. Oh putain, il a fermé la porte. Merde, j'ai fait n'importe quoi. Non. Oh putain. Esquive. Et je suis tombé par terre. Alice, barre-toi. Hop là, esquive. Barre-toi, Alice. Je me suis trompé de bouton. S, 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 S. C'est bon. On va en dessous. Oh putain. Mais c'est... Oh là là. Non. Non. Je sais pas ce qu'il fallait que je fasse, j'ai raté. Allez, allez, allez. Let's go, on y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Z, 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 Z. Vite, 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 vite. Grimpe, 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 grimpe. Un peu d'action, ça fait du bien, on est d'accord. Allez, 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 go, 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 on y va, on y va. Revenez ici. Non, on reviendra pas. Cours, 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 cours. Allez, go, 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 go. Il y a le bus qui est là. On va prendre le bus. Rentre dans le bus. Monte, 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 monte. Ouf. Oh bordel. Et les androïdes, ils sont pas dans leur truc spécial Android 2? Non, ça va pas l'air. Oh putain, on a sauvé la petite. C'est ce que je voulais, sauver la petite Alice. Allez. T'inquiète pas, avec moi tu seras protégé, avec Kara. Et c'est que le début. Bah oui, c'est que le début, je sais. Je sais que ça va pas être fini, l'emmerde avec lui. Car moi je sais ce qui va se passer plus tard. Bah c'est sûr, si t'as fini le jeu, on est d'accord. Parce que moi c'est la première fois que je le fais, donc je découvre complètement. Nuit d'orage. Oh c'était... J'ai beaucoup aimé ce passage. Total des points 2920. Alice et Kara ont réussi à s'enfuir. Oh là là. C'est à partir de là que j'ai niqué le truc. Todd s'énerve. Briser la programmation. Voilà. Et j'ai totalement brisé la programmation. Et oui, pas de spoil aussi... Jérôme, sinon je risque de te time out 10 minutes et tu pourras plus parler, ça sera dommage. Non, non, mais c'est pour. T'inquiète, c'est juste pour. Rappeler, un rappel. Monter à l'étage, voilà, on a fait. Voilà. On a fait genre 20% du truc, 28% de compléter.